Alors qu'il séjournait en Corse, Guy de Maupassant décida d'aller rendre visite au père Didon, qui se trouvait en Balagne, dans un petit village nommé Corbar. Il quitta Ajaccio par la route à bord d'une voiture à cheval, en direction des hauts sommets de l'île et du pays Niolin. Une terre aride, faite de vallées encaissées et de cimes escarpées. Figurez-vous un monde encore en chaos, nous conte-t-il. Une tempête de montagnes que séparent des ravins étroits, où roulent des torrents. Pas une plaine, mais d'immenses vagues de granit et de géantes ondulations de terre couvertes de maquis ou de hautes forêts de châtaigniers et de pins. C'est un sol vierge, inculte, désert. Bien que parfois, on aperçoive un village, pareil à un tas de rochers au sommet d'un mont. Point de culture, aucune industrie, aucun art. La Corse sauvage est restée telle qu'en ses premiers jours. J'irai à travers cette île magnifique avec la sensation que j'étais au bout du monde. En redescendant vers la côte, au nord de l'île, on aperçoit une vaste plaine côtière, d'où émergent, ci et là, des collines toutes rondes en forme de bosse. C'est la Balagne, le pays naguère des oliviers. Au fond de la baie, une immense plage s'étend en demi-cercle, terminée à gauche par un petit port qui se perd dans la brume. De l'autre côté, un village en amphithéâtre ferme le panorama. Puis, Corbar, un de ces villages caractéristiques de Balagne, édifié sur un promontoire rocheux, bien au-dessus de la plaine, en position résolument défensive. Si aujourd'hui le village s'étend sur tout le flanc de la colline, à l'époque de Maupassant, les maisons étaient regroupées sur un piton rocheux, autour de l'église et de son éclatante façade baroque. Et ça, là ? Chut. Ça, là, c'est pas très ressemblant, hein ? Oui, mais ça, c'est une vue d'ensemble. Ah. Hein ? Et après, je vais... m'atteler au détail. La niche. Et l'archange Gabriel. Pas mal, hein. Là, j'ai bien réussi mon croquis. Hein. Ouais, elle est jolie. Et tu sais, je viens souvent ici, mais je prends jamais le temps de dessiner cette belle façade de l'église de l'Annonciade. Hein. Là, c'est fait. Hein. Per una urta. Et regarde comme elle est belle. Elle est toute en élévation, sur trois niveaux. Ah, ça, c'est vraiment le style baroque. Trois nefs, plan basilical. Et puis, elle est belle avec tous ces pilastres, six pilastres engagés dans la façade, les volutes au-dessus et trois énormes oculus. C'est vrai que c'est une des plus jolies façades d'église baroque de toute l'île. On peut le dire. Hein. Cette belle façade cache bien des codes secrets. Hein. Des codes secrets, des codes que les gens d'avant savaient déchiffrer, hein, qui se sont perdus, en fait, dans les limbes de l'histoire. Hein. Oui. Ah, c'est dommage. Et là, tu vois, tu as l'archange Gabriel qui est en grande discussion avec la Vierge Marie. Et là, il lui explique en fait que c'est grâce à la volonté de Dieu qu'elle va enfanter de l'enfant Jésus. Et avec son doigt, voilà, qui est tout cassé, hein, regarde, hop, il va indiquer la colombe, hein, l'Esprit Saint, tu vois, avec les rayonnements de notre Seigneur. Et là-haut, Seigneur Dieu le Père.
C'est beau. Et cette église, elle a été construite entre la moitié du XVIIe siècle et la moitié du XVIIIe. Et à l'intérieur, elle est tout aussi jolie. Oui. Les intérieurs de ces églises baroques sont vraiment grandioses. Ouais. Elle est magnifique. Et ce qu'il y a d'exceptionnel ici, c'est ça, l'hôtel majeur. La beauté de cet hôtel. C'est vrai qu'il est joli. Hein. Tout en marbre de Carrare. Et l'artiste qui a réalisé cet hôtel, franchement, il a fait un chef-d'œuvre. Les sculptures, bon, magnifiques. En haut, tu as le Christ portant sa croix. Et tout autour, les volutes sont des nuages. Et il y a plein de petits angelots partout. Ouais, bien sculptés. Hein. Et au centre de l'hôtel, tu as la colombe dans le nuage avec la lumière du Seigneur. Et c'est exactement le même qu'il y a sur la façade. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est l'un des plus beaux de Corse. Hein. Ah oui. Il est magnifique. Hein. Il y a un peu de stuc aussi à l'intérieur du marbre. Voilà. C'est magnifique. Et cet hôtel a été terminé en 1747. Ah oui. Et dis-moi, le prêtre qui officiait ici, dans l'église de l'Annonciade, le père Didon, c'était pas un peu l'ami de Maupassant par hasard? Oui, mais il n'officiait pas ici. Enfin, je crois pas. À moins qu'il ait été invité par le prêtre. Remarque, ça, c'est possible, parce que c'était un prêcheur très célèbre. En fait, il n'était pas très loin, parce qu'il était assigné à résidence au couvent de Corbar, juste au-dessus. Assigné à résidence, ça voulait dire qu'il ne bougeait pas du tout du couvent. Et il ne bougeait pas. Voilà. C'est un prêcheur très réputé et très connu sous le Second Empire. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de la défaite de 1870, il a pris plusieurs fois position contre l'abandon de l'Alsace. Donc du coup, il s'est violemment opposé au régime et à sa hiérarchie. Et alors, il a été contraint à accepter l'exil ici, au couvent Saint-Jean-Dominique de Corbar. Et Maupassant a profité de son voyage en Corse pour lui rendre une petite visite. Ouais, ça, somme toute, on va dire que c'est un prétexte, hein, la visite de son ami. Oui, mais c'était son ami. Le père Didon était un prédicateur mondain et moderniste. Passionné de science et de littérature, ami de Flaubert, de Zola ou de Pasteur. Il n'hésitait pas dans ses prédications à aborder des sujets tabous comme le divorce, s'attirant souvent les foudres de sa hiérarchie. C'est à la suite d'un prêche virulent en l'église Notre-Dame de Paris que l'ordre lui est donné de quitter la capitale et d'aller méditer dans un monastère au nord de la Corse. Maupassant, qu'il avait déjà rencontré à Paris, vouait en réalité une certaine admiration pour cet homme d'église à l'esprit rebelle. Au-delà du religieux, Maupassant, qui ne croyait pas en Dieu, appréciait l'ardeur de l'homme, sa sincérité et son combat contre l'hypocrisie de la société bourgeoise de l'époque. Sur de nombreux sujets d'actualité, les deux esprits se retrouvaient. Le père Didon était arrivé à Corbar quelques mois avant la venue de Guy de Maupassant. Lorsque ce dernier le vit, dans la cellule du monastère où il logeait, il le trouva guère changé. Peut-être juste un peu engraissé par la vie tranquille du cloître, nous dit-il. Mais il avait toujours cet œil lumineux d'apôtre et de convertisseur qui sert à l'orateur presque autant que le geste, et le même sourire calme qui plisse un peu la joue autour de sa bouche. Visiblement, la capitale parisienne lui manquait, bien qu'il s'en défendait, prétendant avoir trouvé ici, dans la solitude de sa retraite, l'énergie d'entreprendre de bien longs travaux d'écriture. Le père Didon passa ainsi 7 longs mois à Corbar, entre méditation et études. 7 mois de silence, loin de ses prêches sulfureuses et de ses engagements politiques tranchés, avant d'être rappelé par les siens à Paris et de connaître une carrière étonnante au service de la promotion du sport et de la réforme du système éducatif français. Le monastère de Corbar, une visite au père Didon.
Les Alpes ont plus de grandeur que les montagnes de Corse. Ouais, bon, ça reste à voir. Leur sommet, toujours blanc, leur passage presque impraticable. Ouais, ça se voit qu'il n'est pas allé dans la montagne, je te le dis. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, tu n'as pas lu le voyage de Maupassant, là, sur la rencontre, la visite du père Didon? Mais si, mais je ne commente pas toutes les phrases. Hein. Ouais, bon. Ouais. Moi, je pense qu'ici, il n'a pas dû écrire grand-chose. Il a dû s'affairer à la taille des arbustes, car il aimait jardiner. Il aimait la nature, hein, Guitou. Oui, bon, c'était pas trop son genre. Lui, c'était quelqu'un de distingué. Il avait toujours le costume et le chapeau de forme. Alors, la taille des arbres, je crois pas. Et la moustache. C'est vrai qu'il portait la moustache. Eh oui, la moustache, parce qu'à l'époque, c'était un signe, porter la moustache, un signe de distinction, d'élégance, hein, de raffinement. Et d'ailleurs, Napoléon III lui avait une toute petite moustache fine avec le petit triangle sur le menton. Regarde, Maupassant, lui, c'est différent. Tu vois, là, il a la moustache un peu plus fournie. Hein, avec des fois, il avait le triangle, voilà, c'est un carré, hein, assez épais. Hein, Dupont et Dupont, hein. Ben, Dupont et Dupont, c'est pas la même chose. Dupont et Dupont, c'est une moustache un peu plus épaisse, mais qui tombe un peu plus vers le bas. Et des fois, elle est jaune, rose, tu vois, elle change de couleur. Et celle-là, comme ça, c'est quoi? Ça, c'est la moustache, comment il s'appelle, le bard d'Astérix ou Viking ou ce que tu veux, ou même Aramis d'ailleurs. Par contre, Guitou, lui, il avait la moustache bien, tu vois, horizontale, tu vois. Elle était conquérante, tu vois, et c'était pas mal, hein, tu vois, là. Et il avait les terminaisons de la moustache un peu floues. Mm-hmm. Hein, parce que lui, il aimait pas trop la discipline, il devait pas la tailler tous les matins. Hein, mais ça restait quand même un artiste, hein, élégant, ouais. Hein, mondain, tu vois, charmeur, et sa moustache tenait ce langage, quand même. Et c'est vrai que c'était un noble, hein. Une noblesse de Second Empire, et d'ailleurs, il tenait ça de son père. Et c'est vrai qu'à l'époque, ben, la moustache, le costume, enfin l'apparence, hein. Ouais, regarde, et c'était l'apparence. Un signe de statut social. C'est vrai, comme nous en Corse, hein, le bleu de Chine avec le bouc. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu le vois bien, tu vois, l'élégance. C'était quand même un personnage. Hein. Oui, mais bon, c'était quand même un vrai coquin, un charmeur. Hein. C'est-à-dire, un charmeur. Eh ben, écoute, il était pas très sympa des fois avec les femmes, hein, quand même. Et pourquoi tu dis ça? Enfin, quand même, il en a connu quelques-unes, et puis bon, il était gracieux avec elles. Hein. Oui, enfin, gracieux. Il a eu beaucoup de femmes, certes, mais il a eu aussi beaucoup d'enfants, mais qu'il a laissé dans la nature, qu'il n'a pas reconnu. Et ça, c'est pas très élégant. Ouais, mais bon, on peut pas quand même le juger. Hein. C'était une époque qui était un petit peu comme ça. C'est vrai que bon, c'était quelqu'un qui était, c'était quand même un génie. Ça, on peut pas lui enlever. Mais bon, après, c'était quelqu'un qui n'était pas fait pour la vie de famille. Il était plutôt, on va dire, toujours tête en l'air, désordonné. Mais bon, c'était l'époque aussi qui voulait ça. À l'époque, les enfants, ils naissaient comme herbe qui pousse. Et bon, et puis comment tu voulais qu'il fasse? Lui, il voyageait beaucoup, il a rencontré des femmes, c'est sûr, mais ces femmes ne l'ont pas forcément prévenu qu'elle devait avoir des enfants. Oui, donc tu trouves ça normal en fait? On fait des enfants et puis on les laisse, on les reconnaît pas, quoi. Je dis pas ça, mais bon, à l'époque c'était comme ça, et bon, c'était un mood, hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux dire par là au fait? Il est beau, hein, ce couvent. À cette heure-ci, ce qui compte le plus, c'est de pénétrer à l'intérieur de ce couvent, là où a dû séjourner quelque temps le père Didon. Bonjour mon frère. Karim. Lorsque l'on songe à la vie dissolue de Guy de Maupassant, l'imaginer dans un tel couvent semble une idée bien étrange. L'homme a en effet promené son esprit très libertin et la syphilis qui le rongeait dans bien des salons parisiens et des maisons closes, dont il appréciait particulièrement les charmes. À sa décharge, il convient peut-être de rappeler que son père, lui-même très volage, avait abandonné sa mère alors qu'il était enfant. Il y avait là, peut-être, une douleur secrète qui expliquait l'anticonformisme du personnage. C'est magnifique! Tu crois qu'on peut y aller? Oui. Qu'est-ce que c'est joli ici? Ah, le cloître est magnifique avec tous ces arbres, les palmiers, les oliviers, les cyprès. Oh, regarde, il y a même une fontaine!
La belle petite fontaine avec ses nénuphars. Oh là là, tous les poissons. Wow, c'est paisible ici. Hein. Oh, quel calme, quel wow. Silence. Ah, moi, je l'aime bien, ce couvent de Corbas. Tu sais qu'il y en a, il y a quand même pas mal de couvents. Il y a à peu près plus de 70 couvents en Corse. Tant que ça? Et on les retrouve essentiellement en Haute-Corse. En Balagne, on les retrouve en Casinque, Castaniche, Nib et Cap-Corse. Mm-hmm. Ah, ouais, ils sont tous chargés d'histoire. Et ces couvents hein, qui ont vu pas mal de choses, hein, en fait, à la suite de la Révolution française, en 1789, ils ont été tous propriétés de l'État. Et là, petit à petit, ils sont tombés, en fait, pas en ruine, mais ils ont été laissés un peu à l'abandon. Ouais. Ce n'est qu'après, un peu plus tard, hein, en 1855, où il y a eu des accords et des traités passés entre, on va dire, entre l'Église corse et l'Église de Rome, où là, sont venus en Corse les dominicains. C'est-à-dire ils sont venus visiter tous les couvents. Et ici même, à Corbas, ils ont décidé de s'installer. Ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi. Et à partir de là, eh bien, ils ont rénové le couvent, ils ont refait le clocher et le reste des bâtisses. Et quand Maupassant est venu ici rendre visite à son ami Perdidon, en fait, il était venu pour voir si son ami s'en sortait, hein, ouais. Si loin de Paris, un peu dans un trou perdu. Puis surtout que l'exil, c'est jamais très, très sympa, surtout quand il est imposé. Hein. Ouais. Mais le Perdidon l'a rassuré, en fait, parce qu'il lui a dit que l'endroit était absolument fabuleux, que c'était une bénédiction d'être là et qu'il savourait chaque instant dans la simplicité et que c'était un endroit propice aux études et à la méditation. Et c'est vrai que quand Maupassant est arrivé, il a été séduit par l'endroit. Il a trouvé magique aussi bien la vue sur la mer que la vue sur les montagnes. Et le Perdidon, du coup, il a invité à le suivre pour monter sur l'église de Notre-Dame des Sept Douleurs pour se rendre compte de toute la beauté du paysage. Ouais. En tout cas, Maupassant avait bien compris. Hein. Ici, c'est le jardin d'Éden. Je me sens bien, moi. C'est reposant, hein. Ah ouais, tout à fait. Oui, le lieu est très reposant, propice à l'étude et à la méditation. Mais le Perdidon avoua à son hôte que l'on travaillait bien mieux à Paris que partout ailleurs. Au milieu de cette furieuse excitation cérébrale, de ces luttes constantes, de l'émulation acharnée qui exalte l'esprit. Et puis l'homme se sentait une âme d'apôtre, mû par ce besoin d'aller vers l'autre, de communiquer sa foi inébranlable, de la partager avec d'autres. Il proposa à Maupassant de l'accompagner sur l'un des sommets voisins afin de contempler avec lui la majesté de ce territoire vallonné, à l'époque luxuriant de jardins et de vergers, et dont on perçoit encore aujourd'hui les anciennes terrasses cultivées. Sur les crêtes aiguisées, en arrière de la plaine, les pitons rocheux sont couronnés de hautes maisons resserrées qui s'enroulent littéralement en colimaçon jusqu'au sommet. Où l'on devine encore les vestiges de petits châteaux datant de l'époque où des seigneurs moyenâgeux se disputaient les richesses du terroir. San Antonino est l'un de ces villages emblématiques de la Balagne, coiffant le sommet d'un mont élevé si haut dans le ciel, dit Guy de Maupassant, que l'on ne peut que penser avec tristesse à l'essoufflement des habitants contraints de remonter chez eux. Car si la Balagne est belle de ses villages pittoresques, elle n'en est pas moins une terre marquée par les guerres et la souffrance des populations, réfugiées sur des sommets ingrats, se protégeant comme elle le pouvait des razzias barbaresques et des invasions destructrices. À l'époque où le Perdidon séjournait à Corbara, le mont qui surplombait le monastère était encore très sauvage, et le sentier qui y menait raide et ardu. Le Perdidon l'empruntait très souvent, en fin d'après-midi, aimant la sérénité qui émanait du lieu. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Sareus giganteus, en pleine croissance.
petit village de Balagne, construit en colimaçon autour de pitons rocheux. Moi, je les trouve trop beaux. Ouais, regarde celui-ci, là. Magnifique, hein, le piton rocheux. Et c'est là qu'à l'époque médiévale, on avait un castillois. D'ailleurs, l'endroit, on l'appelle Ouvourte. Ouais. Là, il y avait une grande tour, un carré qui était vraiment accolé, qui était construite directement sur le rocher, on le voit bien, là, et qui dominait toute la plaine et la mer. Mmh. Et c'était le comte Manone qui avait construit cette fortification. Ouais, il devait avoir des grosses mains. Et là, chaque promontoire, hein, dans Balagne, surtout à Corbar, on avait une petite fortification. Il y en a partout ici, sur Corbar. Il y en avait un au Montezantagne, il y en avait un autre au Montéguide et ici même. Et aujourd'hui, à cet emplacement, on a Notre-Dame des Sept Douleurs. Ah ouais. Tu sais que ce sont les Sévites de Marie qui ont développé encore cette dévotion particulière des Sept Douleurs de la Vierge. Ah ouais. Bien, en fait, il s'agit de sept glaives qui transpercent le cœur de Marie et qui représentent sept événements douloureux. Alors, tu as les trois premiers qui concernent l'enfant Jésus, avec le sacrifice du premier fils, la fuite en Égypte et la disparition au temple de Jésus pendant trois jours. Et après, les quatre autres concernent la passion du Christ, le chemin de croix, la crucifixion et puis la descente de la croix avant la mise en sépulcre. Et ça, pour une mère, ce sont des événements vraiment très durs. Ouais, très tragique. Hein. Ouais. Nous y sommes, on y arrive. Chapelle Notre-Dame. Elle est jolie, hein. Et tu sais qu'il existe à l'intérieur de cette petite chapelle un passage secret, une sorte de porte traversante qui t'amène de l'autre côté. Oh, wow, une porte magique. On va voir. On va pénétrer dans l'ancien fortin. Mais ton passage là, c'est quoi? C'est une trappe? C'est caché? Regarde bien cette porte, elle est magique. Oh, alors le père Didon devait forcément passer par là. Alors qu'il toi aussi. Baisse. Je suis trop large. Ah. Oh, wow. Ouf. Quelle vue. Ouf. C'est époustouflant. Ah oui, là, on a un point de vue remarquable. Hein. Oh. Cette vue sur Algajo et toute la plaine. Bah, ouf. C'est vrai qu'on voit bien le fortin. Et cette eau bleue turquoise, c'est beau. Eh oui. Hein. Et c'est là que venait se recueillir le père Didon, le soir, au coucher du soleil. Il disait même que de temps en temps, il voyait les côtes de la France et ça l'aidait à lutter contre la mélancolie. Il devait lui manquer la France. Hein. Il faut croire que oui. Hein. Mais c'est-à-dire qu'avant d'être exilé ici en Corse, il prêchait quand même à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors imagine-toi le changement. C'est pas la même chose. Ouais. Mais bon, il n'est pas resté très très longtemps ici. Ensuite, il a beaucoup travaillé, il a eu une grande carrière. Et il a d'ailleurs aidé au système éducatif, à l'amélioration. Et il a donné, tiens-toi bien, un coup de main à Pierre de Coubertin pour, pour le renouveau des Jeux Olympiques. Ouais, c'est quelque chose quand même. Pas mal, hein. Ouais. Ah ouais, mais on va faire comme Guitou et Père Didon. On va attendre de voir les côtes de la France. Ouais, je les imagine, nos deux amis, nos deux compères là, avec une larme à l'œil, hein, pensant à leur terre. Hein. Je ferais la même chose hein, si j'étais de l'autre côté, sur les côtes de Provence, à regarder mon île natale. Je veux rentrer chez moi. La visite au Père Didon a enchanté Guy de Maupassant, le laissant au-delà de sa propre incroyance, dans l'admiration de ce prêtre, ardent et sans hypocrisie selon ses propres termes. Il fut également séduit par le paysage de la Balagne, qu'il qualifia d'à la fois grandiose et mélancolique. Avec ses villages haut perchés, ses campagnes inclinées vers la plaine, la mer, l'horizon. Longtemps après, nous dit-il, lorsque j'eus gagné dans la plaine la route qui serpente au bord des flots, je me retournais pour jeter un dernier regard au monastère. Élevant les yeux plus haut, vers le pic élancé dans l'espace, j'aperçus, au pied de la croix, devenu presque invisible, un point blanc, immobile, détaché sur le bleu du ciel. C'était la longue robe du Père Didon regardant la mer et les côtes de France. Alors une tristesse me vint en songeant à cet homme, sincère et droit, ardent dans ses croyances, franc, et sans hypocrisie, défendant passionnément sa cause parce qu'il la croit juste et qu'il l'espère en l'Église, envoyé là, sur ce rocher, pour n'avoir point pris sa part de tartufferie courante. Le texte est beau, engagé,
mais il y pointe comme toujours chez Guy de Maupassant une dose de pessimisme et de vide sentimental qui caractérise l'auteur. Lui qui rejetait la providence, la religion, et jusqu'à l'amitié qu'il qualifiait souvent d'odieuse tromperie. Se dégage en réalité de son œuvre une vraie mélancolie et une profonde solitude, à l'image peut-être de ces paysages insulaires qu'il a tant aimés, rudes, sauvages et dépouillés.